Résolument engagé avant l'accomplissement de l'appel prophétique du Gabon se réaliser. Le Gabon a été choisi, a été pointé du doigt. Il y a eu des prophéties sur le Gabon, comme quoi Dieu va susciter un puissant réveil dans cette nation. Et ce réveil va embraser les autres nations de la sous-région et aller jusqu'aux nations du monde. Et les Gabonais vont apporter le témoignage de Jésus-Christ à travers le monde. Nous voulons donc que le Seigneur se manifeste. Nous voulons briser toute opposition, tout ce qui voudra empêcher ce réveil de se manifester et tout ce qui voudra empêcher le peuple gabonais à s'engager puissamment dans la proclamation de l'Évangile. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, le Gabon a une destinée prophétique. Seigneur, par ta bouche de tes serviteurs, ô Dieu, les messages ont été envoyés. Oui, nous sommes dans l'attente, Seigneur, d'un puissant réveil qui va embraser la nation et qui va s'étendre sur d'autres nations. Nous voulons donc notre Père, notre Dieu, de nous peuple à nous engager, que l'Église du Gabon prenne conscience, oui, de la mission que le ciel lui a confiée, celle de proclamer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle pour le salut d'un grand nombre, que tout esprit de Djouk, tout plan de l'ennemi, oui, Seigneur, que toute empathie, toute lourdeur, toute peur et tout ce qui voudra militer, Seigneur, pour empêcher, ô Dieu, le corps de Christ, pour le limiter, Seigneur, par rapport à sa mission, soit brisé au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu et mon roi, merci, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons briser tout esprit de tout, afin que l'espoir du peuple gabonais suscité par Dieu suite au coup de libération du 30 août ne se transforme pas en désespoir. Élevons nos voix, prions. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, ta parole déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, Seigneur, se sont enfuies. Nous refusons le retour des ténèbres. Nous prions, Père, que tu gardes cet espoir dans nos cœurs, l'espoir d'un Gabon nouveau, l'espoir d'un Gabon transformé, d'un Gabon géré par Dieu, par Jésus-Christ. Nous te supplions, Seigneur, étends ta main, ne laisse pas le désespoir. Oui, Seigneur, regagne nos cœurs au-delà des attaques, des pressions dont nous pouvons être victimes. Seigneur, fais en sorte que le peuple gabonais ait les yeux fixés sur toi. Garde l'espoir de tout ce que tu as commencé de faire et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons faire une prière forte, menacer, détruire, anéantir toute force, tout ce qui voudra attaquer le Gabon, que ce soit spirituellement ou naturellement, que la confusion s'installe de tous les ennemis du Gabon, à quelque niveau que ce soit. Élevons nos voix, prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous venons, ô Dieu, en ce moment, Seigneur, semer la confusion dans le camp des ennemis de la nation, que tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, ô Dieu, en veulent à la nation gabonaise, tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, Seigneur, travaillent contre la nation et son peuple, que la confusion
s'installe dans leur camp au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier pour la protection de nos autorités, du CTRI, de tout le gouvernement, qu'il soit sous la protection divine, que Dieu vraiment les garde, les protège, qu'il leur donne la sagesse, l'intelligence, afin qu'ils administrent le pays avec la sagesse de Dieu. Élevons nos voix, prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te présentons, Seigneur, ô Dieu, nos autorités, en tête desquelles le président de la transition, le chef de l'État, tous les membres du CTRI et, Seigneur, tous les membres du gouvernement, le chef du gouvernement et tous les ministres et tous ceux qui travaillent dans l'exécutif. Oui, Seigneur. Ô Dieu, les parlementaires, autant qu'ils sont, Seigneur, nous les plaçons entre tes mains et nous prions que tu leur assures sécurité et protection au nom de Jésus, que tu leur assures une bonne santé physique, Seigneur, que tu renouvelles leur force, leur énergie au quotidien, donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, toutes les capacités dont ils ont besoin, Seigneur, pour administrer la nation gabonaise. Père, nous nous abandonnons entre tes mains, au nom de Jésus. La Bible déclare que les anges sont au service de Dieu en faveur des saints. Nous voulons déclarer un état de siège spirituel dans cette nation. Que l'armée de l'Éternel envahissent le pays pour le sécuriser, qu'il y ait des brigades spirituelles, que les frontières du Gabon soient barricadées par l'armée de l'Éternel. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur notre Père et notre Dieu, ta parole déclare que les anges sont au service de Dieu en faveur des saints. Mon Dieu et mon roi, nous élevons nos voix vers toi. Comme un seul homme, en faveur de la nation gabonaise, nous prions que tu déploies les anges, Seigneur, l'armée de l'Éternel, l'armée de Dieu, au nom de Jésus, dans le pays, que les frontières du Gabon soient barricadées, Seigneur, par l'armée de l'Éternel, que les provinces, les brousses, les savanes, les forêts, les souches d'eau, sois sous ta protection, oui Seigneur, par ton armée et par ta main. Gabon, sois sous l'état de siège spirituel, que toute activité démoniaque soit paralysée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit soit l'œuvre dans le pays, Seigneur. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, c'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse.